Mais il pose la question. La Jésus va mener à l'atma. Parce que la veux-tu que je te fasse? Pour elle pour l'atma, tu me manques un confort. Dis ta mère. Yali ta mère. Dis ta mère. Yali ta mère. Dis ta mère. Yali ta mère. Dis ta mère. Amen. 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 Alléluia. Par contre, que veux-tu que je te fasse? Pour elle pour l'atma, mène un confort. Dans Marc chapitre 10, Marc chapitre Piga, Jésus a rencontré un homme qu'on appelle Bartimée. Jésus s'est renvoyé pour te montrer Bartimée. C'est un aveugle. Là, il y a besoin. Il ne pouvait pas voir. Sa vision avait des problèmes. Il a résolu dans son cœur d'aller voir Jésus. Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Écoute sa réponse. Quelle est à Bartimée le grand? Rabouni. Rabouni. Cela veut dire Seigneur. Là, tu es juste soi-même. Que je vois. Tu m'as mis la boucle, tu m'as mené. Dites avec moi que je vois. Yélima, tu m'as mené. Dis ça plus fort que je vois. Tu m'as mené. Et c'est plus fort que je vois. Tu m'as mené. Le miracle est dans ta bouche. Bon, il n'est pas loin. Et avec moi que je vois. Et ce soir que je vois. Et ce soir que je marche. Et ce soir que je travaille. Et ce soir que je sois marié. Et ce soir que je sois délivré des démons. Et ce soir que je dois avoir des enfants. Et ce soir que je dois avoir l'onction de Dieu. Dis alléluia. Alléluia. Dis je vois, dis je marche, dis je travaille, dis je travaille, alléluia, dis je marche, dis je vois, alléluia, mets-toi debout, dis je marche, dis je marche, dis je marche, alléluia, 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 marche. Alléluia. 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 Tu marches. Tu marches. Alléluia. Alléluia. Oh yes, tu marches. Alléluia. Je nomme alléluia. Tu sors. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu parles au Dieu. Alléluia. Par quoi non? Tu es libre. Tu parles au Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vois. Tu marches. Tu entends. Tu entends. Dis encore, il y a le monde d'amé. Dis encore, un monde d'amé. Dis je vois, un némé. Dis je travaille, un tout d'amé. Dis je suis guéri, un pas ma mère. Alléluia. Par maintenant, on acclame fort Jésus. Prenez place. Zendia. Il est là qui était comme vous. Kerena Wanyama. Regardez dans l'écran en arrière. Yassi, écran K, Prenapikawa. Yassi K. Mbekawa parle les motos. Plusieurs fois, Norkateka. J'ai été dans plusieurs pays. Non, c'est qu'ils sont là. Je vous donne juste un petit résumé. Non, je le résumé pour Yamba. De ce que Jésus est en train de faire. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Baraka. Là, on ne peut pas, il n'y a pas de moto. Il n'y a pas. Voilà, merci. Ok. Alors, merci. Baraka. Okay. Oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On veut servir le peuple. Oui, on veut faire. Voilà, déplacer. Oui. Enlever. Voilà. Alors, je veux que vous regardez. C'est quelques témoignages. Quand ok, on va, le premier, Pepika Setasoma. La dame que vous voyez, elle s'appelle Ruth. Ayula Ruth. Un jour, je prêche la parole de Dieu. Elle ne savait pas qu'elle avait un cancer des seins dans son corps. Alakamiti, atarapi, le cancer.
à Singapour. Et c'est à Montréal au Canada. Là, Montréal, le Canada n'a pas Singapour. Pendant que les gens sont avancés en avant, l'esprit a commencé à me parler. Il dit, madame, tu as un cancer. Madame, tu as un cancer. Tu dois aller voir le médecin. Le médecin va te confirmer que tu as un cancer. Donc, on a un cancer. Mais nous allons prier. La tonne pousse, le cancer va disparaître. Le cancer n'a même pas de pouvoir. Il est allé voir le médecin. Le médecin, son médecin de famille a dit qu'elle avait un cancer dans le sein gauche. Elle est revenue me voir. Et dit, le médecin n'en revient pas. Le cancer est très avancé. Il dit cancer à qui et elle, c'est une infirmière. Et dit, ça va faire des métastases. Je suis entré en jeûne et prière. Jeûne et prière. On a imposé les mains sur elle. On dit que nous sommes ses parents. Elle est rentrée à l'hôpital. Tes parents, quel docteur y est-il ? Quelques mois après, qui saignait pour eux. Ils ont refait les examens. Le médecin a présenté des excuses. Le docteur a même eu un coup de sourire. Il dit, il n'a plus de cancer. Il n'a plus de cancer. Cancer par le B. Dites amen. Yalit amen. Dites amen. Yalit amen. Dis amen. Yalit amen. Dis avec moi, je vois. Dis, je marche. Dis, je marche. Je suis guéri. Par ma mère. Alléluia. Par quoi non? Alléluia. Par quoi non? Aujourd'hui, Rundaya. Elle est diaconesse à l'église. On acclame le Seigneur. Le deuxième, elle s'appelle Lourdes, Madame Lourdes. Ayula Madame Lourdes. Elle vient de Haïti. Ita Haïti. Haïti, c'est le pays dans les Antilles. Haïti a tenu SMB, Antilles, Rambasuka. Elle a eu un cancer des ovaires. Il y a un cancer qui est dans ma parole. Et on l'a empêché de ne pas mettre au monde, sinon elle va mourir. Elle est venue dans un moment comme celui-ci. Nous avions prié sur elle. Elle a mangé la parole de Dieu. Elle a avalé la révélation de Dieu. Elle est allée voir son gynécologue. Le docteur a dit, tu as les ovaires d'une fille de 18 ans. Elle dit, non, docteur, j'ai déjà mis au monde dans le passé. D'ailleurs, docteur, monsieur, tu as quoi? Le cancer des ovaires est disparu. Cancer. Et le médecin lui a dit, même si le cancer est disparu, cancer ton corps est dangereux, tu ne peux plus mettre au monde. Faut pas le tenir. Elle est venue me voir. Il dit, mon mari et moi, on vient pour un enfant. J'ai prié. Trois mois plus tard, elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Après 3 ans, tombée enceinte, elle a eu un autre enfant. Acclamez Jésus. Vous allez retrouver toutes ces photos dans un livre qui va sortir bientôt. Et après cet événement, il va y avoir des photos de Burkinabé dedans. La Burkina ne photo mais. Dit amen. Yale termina. Dit amen. Yale termina. Le troisième. Tabo Saba. Alors, là vous me voyez, je suis debout avec un petit garçon. Mamia Sané, Bilibra. C'est en Suisse. Nyawaya Suisse, Tengapura. Lors d'une croisade. Ya Koimono, Wakato. C'est
C'est un enfant qui était sourd, mais il n'entendait pas. Il y a Biga, Andoralteka.